Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en galère d'image pendant ton montage et que tu t'es déjà dit, ah, j'aurais dû filmer ci ou j'aurais dû filmer. Mets ça en plus dans mon tournage. Et du coup, à ton montage, il te manque pas mal d'images. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer moi comment je fais pour ne plus être en galère d'image quand j'ai tourné un clip. Et donc, du coup, j'ai des images déjà à l'avance parce que je vais directement dans les spots. Et j'ai l'habitude de m'entraîner, et ça je te le conseille régulièrement. D'ailleurs, j'ai pu voir qu'il y a pas mal de clipmakers qui s'entraînent pas vraiment hors tournage clip. Donc c'est vraiment un truc que je te conseille, et tu vas voir dans cette vidéo comment je m'organise moi pour ne plus être en galère d'image au moment où j'arrive sur mon montage. Si par exemple il y a eu un tournage où ça a été un peu dans le speed et que tu as oublié de faire des plans. Allez, on va voir ça de suite. Ok, donc pourquoi je veux te montrer ça? Du coup, on est sur mon bureau et on a un disque dur de 2 Tera exactement. Tu vois, là, j'arrive quasiment à la fin. Et donc, en fait, ce disque 2 Tera, il va me servir pour avoir des banques d'images. Alors, les banques d'images, tu sais qu'il y en a plein qui en récupèrent sur Internet et tout ça. Donc, tu peux en prendre sur YouTube ou sur d'autres sites d'images avec une licence gratuite. Mais le truc, c'est que c'est 100 fois mieux de pouvoir faire tes images à toi. T'expliquer pourquoi. Et donc du coup moi j'ai une banque d'images où j'ai 500 gigas déjà de rush que j'ai fait avec mon GH5 et GH4 à l'époque, et donc une banque d'images drone aussi forcément puisque je m'entraîne souvent, de 350 gigas. Donc en fait ce qui se passe et qui est important quand tu fais du drone par exemple, c'est d'avoir plusieurs images que tu vas pouvoir des fois réincorporer dans d'autres clips. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi j'ai vraiment vraiment plusieurs décors. Non seulement ça va te servir à t'entraîner à faire du drone à certains endroits, à pouvoir faire du repérage et autres, mais en tout cas, tu vas voir que, par exemple, tu vois, j'ai certains types de plans drone, comme ça. J'en ai vraiment beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si je dois faire un clip à Marseille ou autre, bon, peut-être pas à ce moment-là, mais je vais peut-être réutiliser certains plans que j'ai pas utilisés dans d'autres clips. Et en fait, il ne faut vraiment pas avoir peur de les stocker. C'est pour ça que je t'invite à prendre un disque dur 2 Tera ou même plus, en fonction de ce que tu fais. Parce que, en fait, ça arrive très souvent que tu vas tourner un clip assez rapidement. Et en fait, dans le speed, tu vas vraiment oublier de faire des inserts. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les endroits que tu vas avoir en repérage. Et ben en fait, que tu, quand tu as le temps, tu puisses aller shooter avec plusieurs lumières différentes. Comme ça, le jour J, si tu es un peu dans le speed, tu vas pouvoir faire les playbacks et certains inserts de l'artiste. Mais toutes les inserts du décor, tu n'auras pas besoin de les faire parce que tu les auras déjà fait à l'avance, puisque tu auras fait en même temps ton repérage. Donc, par exemple, je vais avoir moi donc du décor de montagne, par exemple, tu vois, comme ici. Et par exemple, je vais avoir tout type de décor en forêt, tu vois, la forêt, que je vais réutiliser. Donc là, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai d'autres où il y en a vraiment pas mal. Par exemple, si je dois faire un plan avec un hélico ou autre. Que je dois shooter, tu vois, par exemple, en longue focale. Ensuite, j'ai des inserts que j'ai de la réunion où j'avais tourné. Et d'ailleurs. Vois, par exemple, ça va me servir, ce genre de plan-là. Alors, tu regarderas que mes plans sont déjà plus ou moins presque pré-étalonnés, j'appelle ça comme ça. C'est ce que je parle d'ailleurs dans ma formation Panasonic GH5, GH4. Et donc, ça va être vraiment, vraiment important d'utiliser tout ça. Là, par exemple, j'ai filmé des surfeurs il n'y a pas très longtemps, à Cannes. Et donc, pour le drone, c'est vraiment pareil. Je t'invite vraiment à aller faire des plans. Alors là, avec la neige, évidemment. Donc voilà, tu as vraiment besoin d'aller t'entraîner régulièrement et en même temps faire donc tes repérages.
Mais c'est surtout parce que quand tu vas faire tes playbacks avec un artiste, tu vas pouvoir réincorporer pas mal de choses aux mêmes endroits. Tu vois, par exemple ici. C'est un truc de fou. Blanc, machin, là. Donc comme tu vois là, c'est vraiment mes images brutes. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut croire, on peut se dire que quand tu tournes un artiste, c'est pas bien de remettre des images, mais en fait, en vérité, on s'en fout parce que bien au contraire, ces lumières-là, tu vas pouvoir les choisir toi quand tu veux. Le fait de partir et d'aller tourner quand tu as du temps et de pouvoir aller tourner déjà des plans à l'avance et de faire des stock shots, ça te permet d'avoir les meilleures lumières que tu as choisies toi. Parce que le jour du tournage, quand tu vas y aller, tu pourras peut-être pas choisir le bon moment. Donc du coup, là, peut-être sur un endroit comme ça, autour de chez toi, peu importe, un immeuble, un quartier, que ça soit une place, que ça soit en montagne, en mer, peu importe, même dans une rue, enfin, tout style d'endroit, vraiment, je t'invite à aller faire donc vraiment un dossier comme là, et donc les noter de partout, et en même temps, tu vas faire ton repérage, en même temps, tu vas tester des lumières, et en même temps, comme ça, tu auras déjà tes inserts pour les prochains clips que tu emmèneras quelqu'un dedans. Puisque tu auras utilisé le meilleur moment que tu auras choisi toi par rapport à la lumière que tu auras choisi. Donc je t'invite vraiment à être à l'affût un peu tous les jours de la météo par rapport à, donc autour de chez toi, par rapport à ce que tu pourrais shooter. Parce que peut-être que le même lieu, tu vas le shooter une après-midi avec le soleil et le lendemain, tu vas le shooter peut-être avec la pluie ou avec le temps gris. Comme ça, tu en auras deux. Là, par exemple, c'est sur le clip de Rof. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à réutiliser. Mais en tout cas, je garde toujours quelque chose. Tu vois, toujours. Ça, c'était à Vincennes. Là, ici, tu vas avoir un décor mer, par exemple. Tu vois. J'ai fait un petit repérage sur ces deux rochers qui étaient un peu loin. Alors ça, c'était à l'époque où j'étais en GoPro. J'étais parti à la Scampia donc pour le clip de SCH Gomorra. Bon, là, c'est des choses que je n'utiliserai pas. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois ces plans drone. Donc voilà, c'était en Italie, à Naples. Par exemple, ici, tu vas avoir des suivis en jet ski aussi. Alors là, ça dépend de l'angle, mais tu peux réutiliser. Mais ça dépend vraiment comment tu vas faire ton truc. Là, c'est intéressant pour les plans de suivi voiture aussi, pareil. Tu vois, ça par exemple, c'est intéressant. Tu peux le mettre au début d'un clip. Tu vois, avec un ciel rose comme ça. Et tu vois, ça pour choper un ciel à ce moment-là, il faut être vraiment libre et pour pouvoir tourner au moment où tu en as envie, quoi. Donc ça, c'est vraiment par hasard que ça peut tomber dans un clip, mais c'est assez rare quand même. Alors pareil ici aussi, ça c'est de la matière que j'ai avec de l'eau super claire, tu vois. Par exemple, dans le sud, tu as la même eau comme ça qui va être du côté de Saint-Tropez, tu vois, ou vers les îles de Cannes. Ça, tu peux le réutiliser aussi. Tu vois, par exemple, là, dans Paris, pour avoir une lumière comme ça, à part l'été, ou vraiment à un certain moment, du coup, je suis parti aller choper des plans. Comme ça, je sais que par exemple, si je fais un clip à côté de cet endroit-là, je pourrais rechoper le même endroit et mettre en insert si je tourne un playback, tu vois, par exemple. Donc pareil ici pour le plan de la Tour Eiffel, tu vois, il faut vraiment pouvoir être libre au moment du coucher de soleil, tu vois. Pareil ici aussi, ça te permet de faire du repérage, par exemple, aussi. Alors évidemment, en ce moment, on est un peu bloqué avec l'histoire du confinement, mais c'est à préparer quand on sera de sortie, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu t'entraînes à faire. C'est important. Dès qu'on peut sortir, il faut que tu t'entraînes avec ton boîtier à essayer des plans, essayer un style d'image, faire du repérage,
et en même temps commencer à stocker tes plans, quoi. Pareil ici aussi, je voulais essayer de repérer cet endroit, le soleil. Donc pareil, tu peux aller utiliser ça aussi dans des lieux urbex, par exemple. Donc là, on était dans une ville abandonnée. Donc cet endroit, ça va être bien de pouvoir utiliser et de pouvoir faire des repérages. En même temps, comme ça, tu peux faire même une petite vidéo sur un lieu abandonné, avec le temps gris ou ensoleillé. Et donc pareil, ça te sert de matière. La matière te servira toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive. Que ce soit pour un clip ou même pour des petites vidéos à toi, pour faire du repérage comme j'expliquais, pour tester les lumières, pour tout tester. Donc voilà, c'était vraiment la petite vidéo que je voulais te montrer. Et donc pareil, si tu fais du drone, vraiment je t'invite à aller faire du drone au maximum pour pouvoir avoir plusieurs matières d'endroits. C'est important. Et tu vois, par exemple, si c'est un endroit que j'ai pas encore utilisé, mais que je vais sûrement utiliser à un moment donné. Et donc ça te permet de faire du repérage et ça te permet de réutiliser les inserts pendant le tournage. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo du jour et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.